Bonjour à tous et à toutes, en direct, mais aussi via Internet. C'est vraiment une joie d'être là, c'est toujours une joie de pouvoir prêcher à Tubize, et c'est une joie encore plus grande de commencer à revoir des personnes, de se réunir ensemble. Autant l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est les personnes, mais autant être ensemble, il y a vraiment quelque chose qui se passe et ça manquait vraiment. En tout cas, ça nous manquait, vous nous manquiez et on est vraiment content d'être là avec vous. Et sans transition, je vais donner le titre du message. Aujourd'hui, le thème, c'est la puissance de nos paroles. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, surtout aux hommes, de dire une parole, puis au moment où tu dis la parole, t'as comme envie d'aller la récupérer avant qu'elle arrive aux oreilles de l'autre, le remettre dans ta bouche et faire comme si de rien n'était. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, puis j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais le genre de truc de « Hey, vraiment, on est content pour toi que tu sois enceinte. Il reste combien de semaines avant d'accoucher ?» Puis t'entends la réponse de « Mais en fait, je ne suis pas enceinte. » Il semblerait, il y a des études qui ont été faites, que ça arrive normalement dans la vie d'un homme moyen, au moins une fois dans sa vie, de dire cette phrase-là. Et je prie le Seigneur que ça ne m'arrive pas. Mais nos paroles peuvent nous mettre dans le trouble, elles peuvent nous mettre dans des difficultés. Et à plusieurs reprises dans la Bible, on voit un enseignement qui nous appelle à faire attention à comment on va utiliser nos paroles, à comment on va parler. Et c'est un des principaux thèmes qu'on voit dans le livre des Proverbes. Et on voit dans Proverbes 13, verset 3, « Celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri, mais celui qui dit n'importe quoi s'expose à la ruine. » Et l'auteur des Proverbes, c'est Salomon, c'est un grand sage de l'époque, et il nous donne ce conseil, le conseil suivant, c'est « La qualité de notre vie va dépendre en bonne partie de notre capacité à veiller sur notre bouche. » Donc la qualité de notre vie va dépendre en grande partie à notre capacité à veiller sur ce qu'on dit, sur ce qu'on ne dit pas, sur comment on le dit. Vous êtes avec moi? Et nos paroles sont puissantes. Et une des raisons pour laquelle nos paroles sont puissantes, c'est que Dieu a tout créé par la puissance de sa parole. Quand Dieu dit, la chose arrive. Dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu, quand il nous a créés en tant qu'être humain, homme et femme, il nous a transmis cette capacité de communiquer et de parler. Et cette puissance de, quand on prononce des paroles, ça crée quelque chose. Et je ne suis pas en train de dire ici d'avoir une forme d'évangile qu'on peut parfois entendre de « parce que je vais le proclamer, ça va arriver, je proclame que dans un mois j'ai une Ferrari dans mon garage et au nom de Jésus je vais avoir ma Ferrari, puis dans un mois j'ai la Ferrari ». Ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Mais il y a une vérité quand même, que quand on prononce des paroles à quelqu'un, quand on communique avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se crée dans sa vie. Et avec le don de la parole, on a une grande responsabilité, un grand pouvoir et une grande responsabilité. Proverbe 18:21 nous le dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la Bible ne m'enseigne pas que Dieu doit se mettre en accord avec mes paroles, mais la Bible nous enseigne et m'enseigne, nous enseigne à tous, que c'est à nous de nous mettre en accord avec ce que Dieu dit. Et quand on est en accord avec ce que Dieu dit, les paroles qui vont sortir de notre bouche vont avoir tendance à créer la vie chez ceux qui nous écoutent. Mais si on n'est pas en accord avec la parole de Dieu, on va avoir tendance peut-être à ce que quand les paroles qui sortent de notre bouche vont peut-être provoquer des dégâts, amener plus la mort que la vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et mon premier point, c'est nos paroles ont une puissance. Et plusieurs ici, vous êtes conscients de ça. Parce qu'un jour, dans votre histoire, dans votre parcours, il y a quelqu'un qui vous a donné des paroles, qui a parlé sur votre vie, qui a prononcé des mots qui, encore à l'heure actuelle, résonnent dans votre cœur, que ce soit en positif ou en négatif. Je vous ai déjà raconté cette histoire où, moi, en primaire, une prof m'a mis, en fait, dans la classe, il y avait quelques bureaux, c'était le temps où on pouvait être à moins d'un mètre cinquante les uns des autres. Et elle nous a placés au bureau, et on était comme à quatre, je pense, et c'était le groupe des retardataires.
Et c'est une parole qui est venue, puis encore à l'heure actuelle, et si j'en parle des années après, c'est que vraiment, il y a encore un impact. Puis tout le monde, on a une parole qui nous a été dite, et ça vient résonner encore à l'heure actuelle. Et la Bible dit que la parole peut parfois être un glaive qui vient transpercer l'âme, qui vient nous blesser. Et c'est fou parce que dans les Proverbes, Salomon, il parle comme ça, il fait une métaphore avec la parole en disant « elle peut être une épée qui vient trancher ». Et c'est intéressant parce que Salomon, c'est le fils de David. Et David, entre autres, dans ses fonctions, c'était un homme de guerre. Donc Salomon a très certainement vu de proche des armes, des épées, etc., les épées de son père, etc. Et il a peut-être déjà vu les dégâts qu'une épée pouvait faire. Et je souhaite vraiment pas dans ma vie voir les dégâts qu'une épée fait sur une personne, et encore moins dans ma propre vie. Mais il fait une métaphore, c'est que nos paroles, parfois, peuvent être comme une épée qui va les trancher, qui va les faire des dégâts, qui va les blesser, qui va les meurtrir des personnes. Imaginez des paroles de mort que certaines personnes ont pu recevoir dans leur vie. Et ces paroles restent longtemps. Et on va voir vite fait, donc, ouais, j'ai une petite vingtaine de minutes qui me reste, et on va voir 150 versets. Je vous donne un devoir, allez lire Jacques 3, versets 2 à 12. Jacques 3, versets 2 à 12 parle, et Jacques parle, bon c'est pas Jacques le pasteur, c'est Jacques voilà, qu'il y a dans la Bible, mais il parle de la langue, il parle de la bouche, il parle de nos paroles. C'est affolant, ça fait peur les métaphores qu'il prend et ce qu'il met en avant, le danger qu'on a ici. Pour certains, c'est bien qu'on ait un masque parce que c'est une protection en plus. Et moi, je prie vraiment que le Seigneur il mette un masque constamment sur ma bouche pour que vraiment il y ait comme un filtre et qu'il puisse filtrer les paroles qui sortent de ma bouche. Et quelques comparaisons qu'on voit. La première comparaison, je pense que le texte, oui, Jacques 3, 2 à 5. Nous bronchons tous de plusieurs manières. De toute manière, il y a un moment où on va trébucher dans notre vie. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Une métaphore vraiment importante. Le mort, c'est ce qu'on vient mettre dans la bouche du cheval et sur lequel on va venir fixer les rênes. C'est ce qui va diriger le cheval. Un petit ustensile qu'on met dans la bouche et on sait diriger un cheval. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cheval de près, mais c'est quand même quelque chose de solide, quelque chose de fort. Et juste un petit outil dans la bouche permet de le diriger. Pareil qu'avec les bateaux, un gouvernail, un tout petit gouvernail qui, vous avez peut-être déjà vu des paquebots énormes, puis en fait le gouvernail n'est pas si grand que ça, le volant du bateau n'est pas si grand que ça. Quelque chose de petit peut diriger quelque chose de grand. Et en d'autres termes, si tu n'apprends pas et si on n'apprend pas à dompter notre langue va nous conduire et va nous diriger tout entier vers des choses qui risquent de nous blesser nous, et de blesser des gens autour de nous. Si on ne maîtrise pas la calomnie, les murmures et le commérage, et je ne parle pas d'ici en fait, je parle juste pour vous informer que dans d'autres églises à l'extérieur, il y a des gens qui murmurent, il y a du commérage, etc. Je sais que ça paraît complètement fou, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui font ça, croyez-moi. Vous savez le genre de parole, allez, par exemple, et n'en parle à personne, hein. Et il paraît que tu sais, ce frère-là, cette sœur-là... Ou genre, je te le dis à toi parce que je te fais confiance et je sais que tu ne vas pas faire comme moi en parler à tout le monde, mais du commérage. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment impressionnant et ça prend des proportions, il n'y a plus de limites. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, on se voyait un à un ou on se voyait en groupe. Mais maintenant, tu publies quelque chose sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est publié et le monde le voit. Le monde le voit. Si on ne fait pas attention à ce qu'on publie, si on ne fait pas attention à comment on parle des gens,
C'est ça qui va nous diriger. Si on ne maîtrise pas ça, ça va nous conduire. Parler à propos des gens sur leur dos, quand on est là-dedans, c'est notre propre réputation qu'on est en train de salir. On l'a tous vécu d'avoir une personne qui vient parler sur le dos d'une autre personne à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête? Soyons honnêtes. Ok, s'il parle sur le dos de quelqu'un, ben, il doit certainement le faire avec moi aussi. Ce n'est pas une personne crédible. En faisant ça, j'annonce au monde entier que je ne suis pas une personne crédible, que je ne suis pas une personne de confiance. Non seulement ma réputation est détruite, mais je détruis aussi la réputation de l'autre. Je détruis peut-être des familles, je détruis peut-être des ministères ou quoi que ce soit. Nos paroles ont un pouvoir de vie ou de mort. Et on veut renoncer à cette forme de comportement, à cette forme d'expression verbale. Je renonce, Seigneur, on veut renoncer, mets un garde à ma bouche, mets un masque spirituel qui va filtrer ce qui sort de ma bouche, pour que vraiment ce qui sort de ma bouche vienne de toi. D'autres choses qui peuvent nous diriger, c'est la critique et râler. Alors moi je suis le premier pour râler. Moi, je pense la nuit, il faudrait demander à ma femme, je suis sûr la nuit je râle. Alors, je suis peut-être le seul, mais voilà, on critique tout, on critique et on râle sur notre travail. Les horaires, il y en a trop, le salaire, il n'est pas assez grand, nos collègues, ils sont un peu casse-pieds, je crois, enfin moi je ne dis pas ça de mes collègues, mais eux, ils doivent certainement le dire de moi. Et la seule chose que j'aime dans mon travail, c'est le jour où je vais le quitter. Puis il y a d'autres personnes, ils râlent sur l'économie, c'est la crise. C'est la crise, le salaire minimum il est trop bas, les taxes elles sont trop hautes, l'essence trop chère. D'autres qui vont râler sur le gouvernement. Il n'y a pas de masque, c'est une honte. Tu te rends compte, il y a le coronavirus, on n'a pas de masque, c'est une honte. Après on a les masques, on nous demande de le mettre, mais c'est une honte. Tu te rends compte, on nous demande de mettre le masque. Je suis le premier, ok. À l'école par exemple, il y a trop de cours. Les profs sont trop sévères, ça ne va pas assez vite, les examens sont trop durs, la météo, alors ça c'est vraiment extraordinaire, là aussi. En hiver, il fait trop froid, quand il y a de la pluie, wow, il y a trop de pluie. Puis tu arrives en été, oh, il va me falloir trois climatiseurs pour pouvoir passer au travers de cette chaleur. On l'a vécu il y a quelques semaines. Il y a des personnes qui ont tendance à râler, et je pense qu'en Belgique on est peut-être pas les meilleurs, mais on est dans le top 5, certainement au niveau mondial. La France est première, donc. râler. Vous savez, dans le couple aussi, râler l'un sur l'autre. Parfois, ça se dit verbalement, mais parfois, c'est dans notre cœur. Et j'ai eu comme une illumination que le Seigneur m'a permis d'avoir. Romains 10, 17, on va pas le lire, c'est Paul qui dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Moi, j'en conclus que ce qu'on entend va développer notre foi. C'est-à-dire que ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que je lis, ce que je dis tout haut, ce que je me dis à moi-même, je vais y croire de plus en plus. Donc, mesdames et messieurs, plus tu râles sur ton mari dans ton cœur, il a encore fait ça, c'est pas possible, il m'ennuie, il arrête pas. En fait, tu ne fais que grandir le problème parce que tu as de plus en plus de foi dans ce que tu dis. Et le diable en joue, hein, allez lire le texte de Jacques, la langue, c'est parfois démoniaque. Le diable en joue pour venir comme couper dans les couples, venir mettre des coups d'épée, venir séparer des couples, séparer des familles, déchirer des relations avec les enfants, etc. Que vraiment on puisse faire attention à notre manière de parler. Et des études scientifiques en psychologie en sont venues à la conclusion suivante. Si tu veux une vie misérable, il faut que tu râles. Donc si tu veux une vie misérable, si tu veux rater ta vie de couple, si tu veux que ça n'aille pas dans ta vie, que tu sois vraiment malheureux, râle. Ok, donc celui qui désire rater sa vie, qu'il puisse entrer dans cette dimension, mais que celui qui veut être mieux dans sa vie, qu'il puisse parler avec foi. La langue est un gouvernail.
La langue, une autre comparaison, la langue est un feu. La langue est un feu. On a tous déjà vécu un moment vraiment chouette avec des amis, en famille ou quoi que ce soit. Puis à un moment, il y a une parole qui est donnée, il y a une réflexion, il y a quelque chose qui sort de la bouche de peu importe qui et ça s'enflamme. Et la journée au complet, extraordinaire, à la mer, au restaurant, tout ça, la joie qu'il y avait est complètement consumée parce qu'il y a une parole qui était donnée. Notre langue peut être un feu. Il y en a plusieurs, peut-être t'en as fait les frais. T'en as fait les frais dans ta vie parce que c'est difficile de maîtriser peut-être la colère. T'en fais les frais peut-être avec tes enfants. Période de confinement, là, ils étaient vraiment présents, les enfants. On n'en a pas, mais on connaît plein de gens qui ont des enfants et ils sont vraiment présents à courir autour de la table. Puis il y a le télétravail, et puis il y a le mari, il y a la femme. Puis et là, c'est propice à ce que le feu puisse sortir. Et parfois, il y a des personnes qui s'emportent, puis ça met le feu, ça détruit. Nos paroles sont puissantes. La mort et la vie, on a le pouvoir de mort et de vie dans notre bouche. Autre métaphore, la langue est un venin mortel. Et on va lire le verset 8 que je n'ai pas, mais que j'ai ici dans ma Bible. Hop. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et elle est pleine d'un venin mortel. Allez lire, ça me fait peur, vraiment. Un venin mortel, c'est une substance qui est créée par des animaux, soit pour paralyser, soit pour tuer un ennemi. Et je pense qu'il y a certaines paroles, clairement, qui peuvent paralyser des gens pour les empêcher d'entrer dans ce que Dieu a pour eux. Il y a certaines paroles qui nous ont été données et qui nous ont paralysés. Il y a certaines paroles que le diable utilise comme pour nous tacler. Et combien de jeunes, j'ai pas vu, jeunes et moins jeunes, qui sont juste bloqués dans leur vie à cause de certaines paroles empoisonnées qu'ils ont pu recevoir à la maison, dans leur entourage, d'amis. On se comprend sur Internet ou quoi que ce soit. Mais Dieu te dit que peu importe les paroles de mort que tu as reçues dans ta vie, peu importe les paroles de mort que tu as reçues, Jésus a une parole de vie pour toi. Et il faut qu'on arrive vraiment à ce que les paroles de Jésus dans notre vie aient plus de poids que les paroles des gens qui nous entourent. Les gens qui nous entourent ne sont pas tous méchants, mais même, vous le savez bien, même entre personnes où on s'apprécie énormément, parfois il y a une parole qui sort. Puis le but n'est pas de blesser, mais le résultat c'est de blesser. Mais Jésus est venu, puis lui déclare la vie sur toi. Il faut que le poids des paroles de Jésus soit plus fort que le poids des paroles de n'importe qui d'autre. Et on a tous déjà parlé, par exemple, d'un projet à quelqu'un où on est plein de motivation. Je vais partir en mission, je vais reprendre des études, je vais aller dans tel projet. Puis tu es plein de foi, puis la personne, elle te parle et elle te tacle, elle casse ta foi. Elle casse littéralement ta foi. Et j'ai l'exemple d'un ami qui est pasteur au Canada. Le jour de sa graduation à l'école biblique, il avait tout quitté, il avait un emploi, etc. Il a tout quitté, Dieu l'appelle à aller à l'école biblique. Il y va par la foi, il ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Il sent que Dieu l'appelle à aller à l'école biblique, il va à l'école biblique. Le jour de la graduation, il est en train de se préparer, il met la toge, puis il se prépare à partir pour aller chercher son diplôme. Il reçoit un coup de fil et la personne au bout du fil lui dit « Bah, tu sais, tu n'as pas le cœur pastoral, toi. » Pas le cœur d'un pasteur. Il dit, c'est fou, j'étais plein de motivation avant, je reçois ça m'a pris toute la foi du monde pour aller, pour faire un sourire devant les gens, pour prendre mon diplôme et pour continuer à avancer, continuer à servir dans l'église. Il y a des paroles et il y a des gens qui ont un ministère de destruction. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Nos paroles ont une puissance. Et j'aimerais faire une parenthèse. C'est vraiment quelque chose que je... Enfin, c'était fort sur mon cœur et je veux parler aux parents et aux pères en particulier. J'ai lu un livre vraiment intéressant qui s'appelle « Indomptable », qui n'a rien à voir avec la langue, mais c'est sur l'âme masculine, la masculinité, etc. Et je trouvais vraiment qu'il apportait des choses extraordinaires. Et à un moment, il dit quelque chose de fort. Il dit que tout garçon, tout petit garçon, se pose la question suivante. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être un homme? Et vous savez quoi? La seule personne qui est capable de lui donner une réponse positive à cette question, c'est son papa. C'est son papa ou une figure paternelle. Ça peut être un beau-père ou quoi que ce soit. Hein. Soyez présent au moment où l'enfant se pose cette question. Il ne va peut-être pas forcément le verbaliser, mais je prie vraiment que vous puissiez, comme le Saint-Esprit vous éclaire, et qu'à ce moment-là, vous soyez capable de lui dire « Oui, tu as ce qu'il faut pour être un homme ». Parce qu'il semblerait que c'est une des blessures que la majorité des hommes masculins ont reçues dans leur enfance, qui fait qu'on cherche partout ailleurs, sauf en Dieu, savoir si on a ce qu'il faut pour réussir. Et je ne parle pas forcément de choses, de partir dans la drogue ou quoi que ce soit, mais il y a certaines personnes qui vont de projet en projet, qui sont entrepreneurs, qui y vont, ils font de l'argent. Et en fait, derrière, l'intention, c'est essayer de trouver la réponse de « est-ce que j'ai ce qu'il faut pour réussir dans la vie ?» Que s'il avait reçu la réponse du Père, il n'en serait pas là. Il aurait des bonnes intentions. Mais même si toi, tu n'as pas reçu cette réponse-là, Dieu le Père te donne cette réponse. T'en vaut la peine, j'ai donné ma vie pour toi et t'as ce qu'il faut pour être un homme, t'as ce qu'il faut pour être une femme, pour être une épouse, même si t'as pas une modèle ou quoi que ce soit, t'as ce qu'il faut, je te donne tout en Christ. Et on a tous vécu, et je vais bientôt terminer, en fait j'avais deux points, je suis à la fin du premier point, mais le temps, c'est bien, ouais, il reste 5 minutes, ok. j'ai délégué, j'ai dit tu me dis quand il reste du temps. On a tous reçu déjà des paroles de vie. Et je sais pas si tu as déjà remarqué, mais ce que ça crée en nous là, les paroles de vie, ça booste. Parfois il y a des gens, ils te parlent, tu te sens là le roi du monde, tu es prêt à tout, tu es prêt à partir en mission, tu es prêt à prêcher, tu es prêt à lancer une entreprise, tu es prêt à tout. Comme des paroles de vie, ça vient te booster et que ça peut rester des années après. Et moi j'ai cet exemple, c'est que quand moi j'étais en secondaire, donc pour rappel, mes deux cours préférés c'était récréation et temps de midi. J'étais vraiment bon là-dedans et je suis étonné, c'est que dans le bulletin, il n'y avait pas de case pour mettre des points. Bref, je pense que ma moyenne aurait remonté. Et un jour, j'étais dans une école où il y a peu de gens qui pensent à faire des études supérieures par la suite. Et un jour, j'ai comme cette envie de faire des études supérieures et j'en parle à certains professeurs. Et ces profs-là ont commencé à m'encourager. Il y en avait quelques-uns et vraiment ils disaient « Nous on croit en toi, on croit que tu es capable. Ça va peut-être te demander plus d'efforts que les autres, mais tu vas y arriver. Nous on mise sur toi, on est derrière toi, on est avec toi. S'ils avaient été chrétiens, ils auraient dit oh, « On prie pour toi. » Et vous savez quoi? Ça m'a permis de terminer le secondaire, de faire des études supérieures et de refaire des études au CTS, 5 ans, un master, etc. Parce qu'il y a quelqu'un qui a cru en moi, ça m'a boosté et ça m'a permis d'aller de l'avant. Et Dieu nous appelle à ça. En tant qu'Église, en tant que personne, c'est encourager les gens. Et il y a peut-être des gens autour de vous où il y a 99,99% de choses négatives en eux. Prends le 0,1% positif. Mise là-dessus, encourage-le là-dessus, puis tu vas voir comment ça peut changer littéralement une vie. Il faut qu'on apprenne à parler comme Jésus parle. Jésus, les seules personnes avec qui il était un petit peu en clash et avec qui il avait des paroles dures, c'était des légalistes de l'époque qui essayaient d'empêcher le royaume de Dieu d'avancer sur terre et dans la vie des gens. Mais à chaque fois qu'on voit Jésus, c'est il relève les personnes, il va vers ceux que tout le monde a rejetés, il a des paroles de vie.
il a des paroles de vie. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. La Bible nous dit qu'avec la même bouche, on peut encourager ou décourager, construire des relations ou les détruire, guérir ou blesser, créer des ponts ou bâtir des murs, exciter la colère ou amener la paix. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et vraiment, je le crois, c'est que ici à Tubize et partout en Belgique, les gens aspirent à des paroles de vie pour leur vie. Et que si on est dans cette optique d'encourager et de dire, nous on croit en toi, on est vraiment derrière toi, Dieu a des plans pour ta vie, les gens vont être touchés. Ce n'est pas de la manipulation, c'est parler, c'est comme si on parlait prophétiquement sur leur vie, on parle le langage de la foi pour eux, dans leur situation. Et Dieu va agir, parce que Dieu, quand on parle selon son cœur et selon, avec foi, Dieu agit. Parler avec foi sur la vie des gens. Et je termine juste avec une courte histoire. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Teddy. Et lui aussi, il est en secondaire. Et c'est une personne mise de côté en classe. C'est une personne qui n'a pas beaucoup d'argent. Et il a une prof, qui est une dame qui est chrétienne. Et en fait, la dame raconte l'histoire en disant, moi je ne croyais pas en lui. Il ratait ses contrôles. Ça n'allait pas, il se mettait lui-même de côté, etc. En fait, je ne l'aimais pas. Et un jour, ils font comme une petite fête de fin d'année en classe, et je sais pas, c'est une chouette fête où les étudiants donc, offrent des cadeaux aux profs. C'est chouette d'être prof. Et c'est lui qui offre le premier cadeau. Et alors que tous les autres cadeaux, c'est bien emballé dans c'est chouette cadeau, chouette emballage, etc. Lui, il donne un vieux papier, presque un papier journal, à moitié déchiré. La prof l'ouvre, ok, un parfum entamé et des boucles d'oreilles vraiment moches. Puis elle dit, ah merci, c'est gentil, c'est chouette et tout ça. Et en fait, là, elle est toujours en mode, mais il abuse, il exagère. Et à la fin du cours, il attend que tout le monde parte et il vient voir sa prof et dit, franchement, merci de m'avoir dit merci, parce que en fait, j'ai donné tout ce que j'avais. Je vous ai donné le parfum et les boucles d'oreilles de ma mère, qui est décédée quelques années auparavant. Et là, la prof, vraiment touchée, puis elle se remet en question, elle va prier, elle dit « Seigneur, je te demande pardon ». Elle va voir dans son dossier à l'élève, et en fait, il avait un bon parcours jusqu'au moment où la maman est décédée, et là, il y a eu un déclin au niveau des notes. Et la prof a commencé à investir en lui, à dire « Je crois en toi ». Je crois en toi, je vais t'aider. Ils ont travaillé ensemble, elle a fait des heures sup avec lui, etc. Puis en fait, ses notes ont augmenté, il a terminé son secondaire. Quelques années après, il a contact en disant, voilà madame, je voulais vous dire merci. Merci parce que grâce à vous, j'ai pu terminer mes secondaires. Puis 4 ans plus tard, il renvoie une lettre, dit merci à vous. Merci à vous parce que vous êtes la première qui a cru en moi et vous êtes la première à apprendre que j'ai terminé mon université. Et quelques années après, il renvoie une lettre en disant « Madame, merci à vous parce que vous êtes la première qui a cru en moi et vous êtes la première à apprendre que je suis devenu médecin. » C'est une histoire parmi d'autres, mais la puissance d'encourager, la puissance de croire dans les gens et la puissance d'investir en eux. La langue douce est un arbre de vie. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et j'aimerais juste qu'on se termine en priant ensemble. Puis j'aimerais prier pour tous ceux ici qui ont reçu des paroles de mort sur leur vie, qui les bloquent comme le venin, là, soit ça paralyse, soit ça amène la mort. Et j'aimerais vraiment prier pour chacun de vous, ici puis derrière l'écran. C'est vous avec Dieu, mais je prie pour vous vraiment que la vérité de la parole puisse descendre dans votre cœur et puisse créer la vie. Je détruis toute parole de mort qui a été prononcée dans la vie de toutes ces personnes. Seigneur, je veux proclamer ta parole. Tu as donné ta vie pour eux et tu as donné ta vie pour qu'ils aient une vie en abondance, Seigneur. Qu'aucun plan de l'ennemi ne les empêche d'entrer dans ce que tu as pour eux et pour leur vie.
Seigneur, j'aimerais vraiment te prier aussi pour tous ceux qui sont en lutte, puis moi le premier, en lutte avec la langue. Seigneur, on veut venir à la source. Parce que si on est connecté à toi, le fruit et un changement de comportement, un changement de langage va avoir lieu. Et trop souvent, on essaie par nos forces, alors qu'en fait, c'est être connecté à toi qui fait qu'il y a une transformation. Et je te prie, oh Dieu, que tu deviennes vraiment le maître des gouvernails de nos paroles, de notre cœur et de notre vie maintenant. Au nom de Jésus, Amen.